Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce troisième épisode sur Limbo. Et rappelez-vous, nous venions de nous enfuir de cet endroit de malheur avec de l'eau partout. Et j'ai mon piercing qui me fait un peu mal à l'oreille, il est bloqué dans mon casque. Ok, normalement là c'est bon. Ok, alors... hôtel, j'imagine. Ça donne pas trop envie d'y vivre. Est-ce que je me fais marave là quand il y a des étincelles? Ce serait pas très amusant. Ah, je l'ai. Ça va me faire sursauter à chaque fois comme l'araignée. Il faut faire tomber le haut. Qu'est-ce ça? Par contre, je me fais électrocuter, non? Une question de timing. 1, 2, 3. Il ne s'éteint pas. C'est pas par là du coup. 1, 2, 3. Attends. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Ouh. My god, vous savez pas à quel point c'est dur d'être un génie. Hein. Mais qu'on fait peut-être un tout petit peu trop. Engine off. Engine off, plutôt. Parce que engine... ça n'existe pas. J'avoue que j'ai du mal à trouver de quoi parler. J'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va. Comme je vous avais dit à la fin de l'épisode précédent, je pense faire bientôt un petit truc sur Genshin Impact. Ça m'aurait plu de pouvoir faire quelque chose avec mon frère. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite parce qu'on n'a pas encore la fibre. Et donc on va attendre de pouvoir jouer en ligne de manière stable et pas toutes les 5 minutes dire oula, ta connexion marche pas. Et je serai en mode ouais, je sais. Lâche-moi les pompes. On descend. Bon, ça tient. Attends, on fait pas non plus 80 kilos là. Ouais. Alors, crois-le pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ah si. I got it. Voilà. Ça vous a plu? Ah si! Ah d'accord! Ah mais c'est... c'est si simple que ça? Genre il faudrait juste tomber? Non. Ça peut pas être aussi simple que ça. D'accord, c'était ça. J'ai raté la plateforme. Ah! Ben au moins on a vu ce qu'il y avait en bas. Ah ouais, ok, c'était ça l'indice. Pas besoin d'indice, nous. Hop, je me mets même un petit peu de défi en ratant mon truc. C'est nul. C'est très très nul cet essai. Allez, là c'est bon, on le tient. Ouais, Dja. Eh oui, j'en reviens pas moi non plus que j'ai dit ça. Non! Il fait dodo. Comme je le disais dans je sais plus quel jeu, où t'es obligé de reprendre un petit peu trop loin. Genre c'est pas hyper bien dosé. Le fait de dire bon bah voilà, t'as raté et maintenant tu reprends de là. Ok, on va pas faire la bêtise. Il y a un nœud. Ok, j'ai eu peur. À gauche. On a deux sauts. Oh non. Oh non.
Ah non. Ah non, là j'aurais été vraiment trop dégoûté de le refaire une 7e fois. Oui. À quoi ça me sert? Je ne remets pas en cause votre capacité d'utilité, mesdames les planches, mais... Mais... Ah non, ah non, ah non, ah non, pas encore toi. Franchement, c'est le truc de gameplay qui me plaît le moins. Je sais pas pourquoi, mais genre... Le fait d'être condamné à faire des allers-retours... Ah, peut-être qu'il va mourir. Non. La corde, elle est inatteignable, inaccessible, ouais, c'est la même. Là, par contre, il y a beaucoup de lumière et il brûle pas le bidule. Je sais pas trop pourquoi. On va aller plus loin encore. Je sais pas si je dois tracer à ce point-là. On peut peut-être y aller en mode tranquillos, mais... Oula! Non. Ah non, mais là on va mourir. C'est des petites piques. Non, c'est bon. La vache, c'est encore plus... Il y a une plus grande ampleur dans la difficulté là d'un coup. A mon avis, on va devoir repasser par ici. Mais comment? Pas la moindre idée. Enfin si, je vois des choses à utiliser pour après. Mais peut-être qu'on va jamais repasser par ici et que c'est une feinte. J'ai peur de marcher là-dessus. Ah d'accord. Oh oui, ça va, on n'est pas trop loin. Et ben là pour le coup, il fallait pas courir. Et ça, qui d'entre vous le savait, à part ceux qui ont déjà fait le jeu? On n'a pas le droit de répondre. Là je lutte. Allez petit carton. Pardon? Il faut sauter alors. Non mais vous allez voir. C'est une question d'apprentissage et une fois qu'on l'a, c'est ok. Me permet même de m'étirer. Et ouais. Et voilà mon gars. Bon, maintenant qu'on est là, Nassie a l'air de revenir à son... J'allais dire à son état d'origine. Pas du tout. Peut-être que si on réappuie sur ce bouton maléfique, ça va l'éteindre. Je sais pas du tout. Hein. Juste une hypothèse. Hypothesis. Ok, c'était chaud. C'était maintenant ou jamais de toute façon. Non, c'est inarrêtable. Mais toutes ces machines ne servent à rien. Non, ça sert à rien pour le coup. Et là, je vais rater mon saut. Attends. Je peux pas là d'ici. De retour, il y a eu un petit coup de téléphone et nous étions ici sur cette plateforme qui, ma foi, fait balancier. Pardon. Alors, est-ce que je le fais trop tôt, trop tard? Aucune putain d'idée. Ça a l'air de fonctionner en tout cas. Et là, c'est la bonne. Pitié, oui. Un peu de surréaction. Vous en prendriez bien un petit peu. Ah, pas assez fort. On va le refaire.
C'est malin parce que... Non, c'est bon, je l'ai. Attends, attends, n'en pars pas. Ok, on peut pas le pousser plus que ça. Ah, c'est vraiment frame perfect, c'est trop stylé. Enfin, y a rien de stylé en soi, idiot. Mais j'aime bien le... Ça rajoute un peu plus de challenge que juste... voilà, apprendre. Alors ça, qu'est-ce que ça fait? Ah ah. Ah ah. Ah oui, on a une caisse. Ah bah vous voyez, j'avais carrément oublié. À quoi ça peut me servir Est-ce qu'on peut mettre la caisse dessus au moins? Ma logique dirait oui. D'accord. Et là on l'emmène avec nous. Ok. Okidoki. Hop. J'ai même... Pardon. Je vais même passer de l'autre côté. Je préfère pousser que tirer. Comme ça si... Hein? Attends. Est-ce qu'il faut que j'emmène la caisse avec moi pour la suite? Ouais, il me faut la caisse. Non, je sais pas. Là on meurt? Non, c'est bon. D'accord, et si moi je fais ça? Non. À quoi ça me servirait ce truc-là sinon? Alors vous n'allez jamais me croire. J'ai dû aller chercher l'astuce, oui, je l'avoue. De toute façon, je me suis jamais caché dans mes let's play d'aller chercher une astuce ou pas. Mais genre, je vous montre ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de secret entre nous. Il n'y avait... Allez, il y avait peut-être 0,02% de chance que je trouve l'astuce. Il faut faire ça. Et voyez la petite corde à gauche? Voyez? Eh ben faut faire ça. Et ensuite j'en sais rien. Ensuite j'en ai aucune putain d'idée. Mais on va dire qu'on meurt. Bon voilà. On meurt. Tout ce qu'il y a de plus normal. C'est donc un échec. Ce que le mec ne dit pas dans sa vidéo, c'est comment on redescend. Et là, certes, on a eu l'astuce pour aller chercher ce petit truc qui vient de tomber. Mais on n'a pas l'astuce de comment revenir. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose qu'on va découvrir nous-mêmes. Ça fait plaisir. Parce que, mine de rien, on cherche quand même un petit truc. Même si c'est pas grand-chose. Voilà. Je vais éviter de la faire tomber. On va la prendre là. Parce que pour le coup, une fois qu'il est monté, le truc, il a plus de position... comment dire? Il n'y a pas d'autre bouton pour le faire... tu vois? Pour le faire redescendre. Donc c'est assez complexe. Et même si je prends ici... Une fois que je suis là... Ah, peut-être comme ça. Mais dans tous les cas, je suis pas dans le bon sens. Ok. Salut les cocos. Hop, nous on descend. On va chercher ce truc-là. Dont j'ignore la nature. Mais non. Mais non.
C'est pas ça qu'il faut faire? C'est juste pour un trophée? Ah, tu te fous de moi. Tu te fous de moi, le jeu. De retour pour vous jouer un très joli tour. L'œuf là qu'on vient d'exploser et j'ai eu un trophée exploitation urbaine. Ça ne fait pas du tout partie de l'histoire. Mais pas du tout. Mais alors vraiment pour le coup, c'est pour un trophée. Voilà, basiquement. Et donc il faut garder ce truc là. J'ai peut-être fait une bêtise. Et donc il fallait quelque chose pour faire contrepoids, on est bien d'accord. Donc ça on l'emmène ici. Et voilà. C'est bon, j'ai mon micro d'allumer. Ça c'est à peu près là. Vous allez voir que tout de suite tout s'arrange. Mais c'est vrai que quand on connaît pas le jeu, je trouve ça hyper compliqué à deviner. Hein. Et même là, j'ai l'impression qu'il va falloir appuyer sur le bouton. Donc ça, on va le ramener un petit peu plus pour là. Tu vois, allô? Et là, on se balance. D'accord. Je suis pas du bon côté, mais je sais pas si ça change grand chose à chaque fois quand il a la tête orientée vers la gauche et que je veux aller par la droite, par exemple. Ok! On est à un nouvel endroit. Je sais pas jusqu'où la scie va se déplacer. Dans le doute. Est-ce qu'elle fait tout le chemin? On est dans la merde. Ah oui, c'est pour découper. Hein? Ok. Je crois que je l'ai. Dès que la caisse tombe, il faut sauter par-dessus. Par-dessus la scie, pas par-dessus le carton. Mais j'ai pas assez de... Elle est trop grande. Ouais. C'est ce que je pensais. Je l'ai. Troisième essai. Attends. Et pourquoi d'un coup elle accélère en fait? Il m'en faut. Non, ah non, bah non. C'est pas du tout ça qu'il faut faire en plus. Je vais recommencer. Bon, on va se suicider et puis je vais recommencer. La première, il faut pas l'activer tout de suite, si j'ai bien compris. Il faut plutôt faire ça. Voilà. Mais non, ça marche pas non plus. En fait, il faut que j'ai une caisse à gauche et à droite de la scie pour être suffisamment haut. Mais là, du coup, ça marche pas. C'est pas ça non plus. Ok. Des choses auxquelles il faut penser dans ce monde. Wow! Mais t'es malade! Et voilà. Oui. J'ai bien entendu été chercher l'astuce parce que... En fait, il y a un truc terrible, mais quand tu te mets à chercher une astuce... Et que... Après, tu vas toutes les chercher. J'ai pas envie d'aller par là. Ça vous dérange si on va par en haut? Je me sens pas à l'aise là-dessous. Bon, ça évidemment, ça va se casser la gueule. Oui, donc je disais, une fois que t'as cherché une astuce, après ton cerveau il est tellement en mode j'ai plus envie de réfléchir,
que ça devient très compliqué. Tu vas me faire du mal? Non, tu vas pas m'attaquer. S'il te plaît, me fais pas de mal. D'accord. Il faut faire quelque chose ici. Je suis peut-être softlock, hein. Ou alors faut y aller tout doucement. Monter sur la mouche. Je suis concentré. D'accord, on a jusque là. Speedrun, mon pote. Ah mais non, mais... Non mais non, mais là j'étais bloqué par un truc. Genre il y a un truc qui m'a bloqué. Je vous jure, je te jure. J'ai été bloqué par quelque chose. Ah merde! Putain, on lui a carrément retiré la patte. Je suis désolé. Je voulais pas du tout faire ça. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce troisième épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Attends, notre deuxième ou quatrième? J'ai un doute. Bon, voilà, pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je pense qu'on est bientôt aux 80 abonnés. C'est assez plaisant pour moi. Je dois dire qu'après 4 ou 5 ans de YouTube... atteindre les 80 abonnés, c'est très très lent, mais je pense qu'il faut justement persévérer et qu'un jour ça va peut-être fonctionner. Merci d'avoir regardé et à très très vite pour la suite. Ciao.